Les premières notes de la symphonie sont déchirantes, elles sont comme un cri. Par son rythme, qui n'est pas seulement un rythme pointé, mais un rythme surpointé, cette figure de départ fait directement référence aux ouvertures dites à la française. Ces ouvertures sont de courtes pièces qui servent d'introduction à des opéras ou à des ballets dans la période baroque. Et ça commence toujours par une partie grave et assez lente, basée sur un rythme surpointé. Écoutons par exemple l'ouverture d'Isis de Lully. Comment sont construites ces deux premières mesures? En fait, nous avons un canon entre les cordes graves, violoncelle, contrebasse, et les cordes aiguës, les violons, qui répètent la même chose mais avec un temps de retard. Mais ce qui fait la dramaturgie de ces notes, outre la nuance forte, les rythmes surpointés, ce sont les grands sauts d'intervalle vers le bas comme vers le haut, sauts qui vont être de moins en moins grands. En fait, l'introduction de ce premier mouvement est constituée de trois courts motifs. Ces motifs, il va être très important de les retenir parce qu'ils vont être réutilisés tout le long du mouvement. Nous venons de voir le premier, voici le second. En termes techniques, on appelle cette figure un mordant. Il s'agit d'un ornement. La ligne musicale, sans le mordant, donnerait ceci. Ça donne une mélodie beaucoup plus pauvre, mais au moins ça a le mérite de mettre en évidence le fait que les trajectoires des cordes graves et des cordes aiguës sont opposées. Les cordes graves montent tandis que les violons descendent. Le troisième motif est très élémentaire, il s'agit de trois notes répétées sur un rythme qu'on appelle un anapeste. Anapeste, bref, bref, long. Anapeste. Je récapitule, cette introduction est composée de trois motifs présentés tour à tour. D'abord un motif d'ouverture à la française, surpointé, avec des grands sauts d'intervalle, puis un motif mordant, et enfin un anapeste. Penchons-nous maintenant sur la forme de ce mouvement. Il s'agit de ce qu'on appelle un mouvement de forme sonate, comme la grande majorité des premiers mouvements de symphonie. Ouvrons une parenthèse pour voir ce qu'est une forme sonate. Alors, il s'agit d'une structure en trois parties qu'on appelle exposition, développement et réexposition, une sorte de ABA. Là-dessus, on peut bien sûr ajouter ou non une introduction et ou une conclusion, appelée coda. Dans l'exposition, on a généralement deux thèmes en contraste l'un par rapport à l'autre. Le premier thème est joué sur la tonalité principale, disons par exemple ici Ré. Le deuxième va être joué sur une autre tonalité. Et tout l'enjeu de la forme sonate se trouve là. Il va falloir que le deuxième thème soit exprimé dans la tonalité principale, c'est-à-dire ici Ré. Bien sûr, on ne va pas trouver la solution tout de suite. La deuxième partie, le développement, va réutiliser des morceaux des deux thèmes et naviguer sur tout un tas de tonalités, s'éloigner du contexte de départ. Et c'est seulement après toutes ces tribulations que la réexposition nous fait entendre les deux thèmes, l'un après l'autre, et dans la tonalité de départ, enfin. Voilà de manière schématique la progression de toute forme sonate. Alors voyons maintenant comment ça fonctionne dans notre premier mouvement, qui dure environ un quart d'heure. Dans l'exposition, juste après l'introduction, on entend le premier thème, le thème principal, au premier violon, avec un accompagnement basé sur le rythme d'ouverture à la française de l'introduction.
Ce premier thème, on peut le segmenter en quatre petits motifs différents, ce qui est typique de l'écriture de Shostakovich, qui a plutôt tendance à écrire une profusion de petits motifs collés les uns aux autres, plutôt qu'une longue ligne mélodique unifiée. Voilà le premier petit motif. Il s'agit d'une descente sur des rythmes lents avec un petit sursaut à la fin. Shostakovich met un peu de piment dans cette descente. J'aurais pu jouer cette descente en ré mineur normal. Et le sentiment qui s'en dégagerait serait tristesse, mélancolie. Mais au lieu de jouer un mi, il écrit un mi bémol. Et du coup, cette descente n'est plus seulement triste, elle devient douloureuse, tragique. Le second motif est un élan, une sorte de pendant du premier. Le troisième réutilise le motif de mordant de l'introduction. Et le quatrième est basé sur le rythme français en prenant le relais de l'accompagnement qui s'étue. Ce dernier motif monte, monte en tension jusqu'au do aigu. Réécoutons le tout. Ce premier thème est en ré et le deuxième thème, qui entre 4 minutes plus tard, est en mi bémol. Il repose sur un accompagnement qui est basé sur le rythme d'Anapest. Le rythme d'Anapest qu'on avait déjà entendu dans l'introduction. Anapest, bref, bref, long. Il s'agit d'une ligne mélodique beaucoup plus simple que le premier thème, plus lyrique. On dirait pas, mais ce thème est basé sur le motif en rythme français de l'introduction, mais joué tellement lent qu'il en devient méconnaissable. Le voilà à un tempo plus rapide pour pouvoir voir la parenté entre les deux. Quand on entend ce thème, il est possible qu'il nous fasse penser à une mélodie très célèbre. Est-ce que vous l'avez reconnue? Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ensuite, on a notre développement, qui, je vous le rappelle, va jouer avec les motifs exposés dans la première partie. Shostakovich va les exploiter jusqu'au bout de leurs possibilités dramatiques. Du coup, ça donne une partie complètement exubérante, extrêmement tendue. Je voudrais zoomer dans ce développement sur deux moments. Le premier, c'est une marche militaire grandiloquente. Le rythme de la marche est basé sur l'anapeste. Bref, bref, long, bref, bref, long, ta-ta-ta, ta-ta-ta.
Anna Pest qui est joué beaucoup plus rapide qu'au début, et du coup, il en devient un rythme de galop de cheval. Là-dessus, on entend tantôt le premier thème qui devient grotesque, tantôt le rythme français qui devient menaçant, tantôt les deux ensemble. Gardons sous les yeux le thème 1 tel qu'on l'a entendu dans l'exposition pour mémoire. Le deuxième moment sur lequel je voudrais zoomer dans ce développement, c'est un double canon. On a vu ce qu'était un canon, c'est lorsque deux voix ou plus chantent la même chose, mais pas en même temps. Et bien là, on a à la fois aux cordes et au bois le motif d'ouverture à la française du début en canon, d'ailleurs comme dans l'introduction, et c'est ce qui fait un double canon, le deuxième thème en canon également, joué par les cuivres. Donc un double canon, c'est lorsque non pas une mélodie est traitée en décalé par différentes voix, mais lorsque deux mélodies sont traitées chacune en décalé par différentes voix. D'ailleurs, ces deux mélodies ne sont pas complètement étrangères l'une à l'autre, puisque le deuxième thème est issu du motif d'ouverture à la française. Mais c'est l'occasion ici de le voir clairement. Le deuxième thème est entendu ici comme si c'était le motif d'ouverture, mais joué quatre fois plus lent. Gardons en vue pour mémoire le deuxième thème. Juste avant de l'entendre, on se situe ici à la toute fin du développement, donc au moment le plus tortueux, le plus dramatique, le plus proche de l'idée d'une lutte avant la réexposition. C'est sur cet énorme accord de Ré majeur que se termine le développement et que commence la réexposition. Le premier thème, avec ses multiples motifs, est réexposé fortissimo dans le ton de départ, donc en Ré. Mais tout l'enjeu de la forme sonate n'est pas ici. Il est au niveau du deuxième thème. On a vu à quel point dans le développement, après la marche militaire, ce deuxième thème s'est engagé dans une lutte incarnée par le double canon pour trouver la solution qui doit apparaître dans la réexposition, c'est-à-dire réapparaître comme le premier thème en Ré. Eh bien, le voilà. Et d'ailleurs, il va rester en canon comme à la fin du développement. Ici, en canon entre la flûte et le cor. Et j'avais dit que tout à l'heure que ce deuxième thème ressemblait vaguement à une mélodie très célèbre. Si tout à l'heure la mélodie très célèbre ne vous est pas venue à l'esprit, ben, peut-être que maintenant qu'on va l'entendre en Ré, dans sa tonalité d'arrivée, ça va vous paraître beaucoup plus évident.
Si vous n'avez toujours pas trouvé la réponse, bah peut-être que Maria Callas va pouvoir vous aider. Et oui, c'est l'Habanera de Carmen de Bizet que Chostakovitch cite ici. D'ailleurs, la tonalité est la même entre le deuxième thème et l'Habanera de Carmen, c'est-à-dire Ré. Et en fait, Chostakovitch construit tout ce mouvement de telle sorte que la citation ne nous soit révélée qu'à la fin. Il commence par le motif d'ouverture à la française. À partir de ce motif, il a construit le deuxième thème, qui était encore méconnaissable comme citation de Carmen dans la première partie, l'exposition. Dans le développement, ce thème a dû lutter en se trouvant confronté en double canon au motif de l'introduction. Et cette lutte a débouché sur la citation de Carmen. Mais pourquoi ne pas nous avoir fait entendre Carmen dès la première apparition du thème? À mon avis, Chostakovitch a mis en scène dans ce mouvement son adhésion au réalisme socialiste. Le réalisme socialiste, on le sait maintenant, exige entre autres des mélodies facilement reconnaissables pour le peuple. Et la cinquième symphonie est sous-titrée Réponse d'un compositeur à de justes critiques. Bien, Chostakovitch renonce à la complexité, à la profusion de petits motifs comme on l'entend au début du mouvement. Et suite à des luttes internes, il finit par déboucher sur cette mélodie que tout le monde connaît et que tout le monde peut chanter, en accord total avec le réalisme socialiste. Mais on peut également le voir totalement à l'inverse. Chostakovitch peut aussi vouloir dire que si le pouvoir veut le limiter dans sa liberté, il en perdra son propre langage musical et devra s'effacer derrière un langage qui n'est pas le sien, ici celui de Bizet. Et finalement, cette double lecture, cette ambiguïté, on va la retrouver dans tous les mouvements de cette symphonie. Pour le deuxième, rendez-vous dans la prochaine vidéo.